Alors aujourd'hui, une petite idée de courgettes farcies aux légumes qui pourraient se déguster aussi bien froid que tiédi ou chaud, passé au four. Pour cette petite recette, il va nous falloir donc il faudra quelques légumes du moment. Là ici j'ai un aveyron, j'ai quelques petits pois du jardin ramassés fraîchement, un peu de carottes, une belle courgette. J'ai fait chauffer de l'eau salée. On va cuire la courgette rapidement. Pour ça, il faut la couper comme ça dans la longueur. On va retirer le cœur. Hein, toutes ces parties, toutes ces graines. Voilà. Et puis on va découper tous ces petits légumes là en petites brunoises. On va écosser les petits pois et en taille, on fait une petite brunoise de tout ça. Voilà, mon au bout, j'ai déjà taillé mes petits navets, j'ai creusé donc ma courgette, voilà, et on la cuit à l'eau comme ça. Hop, on va la laisser cuire comme ça pendant 2-3 minutes selon la taille de votre courgette et l'épaisseur. Voilà, 2-3 minutes, on vérifie la cuisson. On pique, faut que ce soit cuit, mais pas trop. Ensuite, j'ai préparé un saladier d'eau glacée. Hop, on égoutte, on le met dedans. Bon, faut dire brutalement. On va utiliser cette eau de cuisson pour tous les légumes. On ne changera pas l'eau. Seulement les légumes, tous les légumes qu'on a ici, ne demandent pas le même temps de cuisson. Ici, j'ai donc quelques petits pois. Ça va prendre 2 minutes pour les cuire. On va rajouter les navets. Ça va prendre autant de temps. On attend une petite minute avant de mettre ici les petites courgettes. Les courgettes, ça cuit très très vite. Et on les rajoutera dans 1 minute. Pas tout de suite, et on voit les petits pois commencent à remonter. Voilà, au bout d'une minute, donc j'ai rajouté mes courgettes. Et là, ça fait 3 minutes. Hop. On les met dans l'eau glacée pour arrêter la cuisson. Et puis surtout, garder un peu cette belle couleur de nos légumes. Et seulement, et après en dernier, on fera cuire bien 5 minutes nos petites courgettes. Voilà, c'est nos légumes qui demandera plus de temps de cuisson. Bon, le plus dur, c'est de récupérer tous les petits bouts. Mais bon, ça vous permet de garder le même eau de cuisson, de faire des économies d'eau, de ne pas jeter l'eau bêtement à chaque fois. Voilà. Hop, on met les carottes. On laisse cuire 5 minutes, on rajoute dans le saladier, on égoutte le tout et on va passer à notre sauce pour garnir tout ça. Alors, maintenant pour notre petite vinaigrette, notre petit jus qui va accompagner donc les légumes. Ici j'ai un peu de ciboulette, j'ai un peu de basilic, j'ai du persil. Ici j'ai haché une échalote. On va hacher les herbes finement. Voilà. On va rajouter là-dedans du piment d'Espelette. Ici j'ai un peu de curcuma. Du vinaigre. De l'huile d'olive. Environ 3 belles cuillères à soupe d'huile d'olive. Rien n'empêche de donner
On en met un peu plus, hein, c'est à votre convenance. Un peu de sel, sans plus. Voilà. Là, on a une petite sauce sympathique. Ça va nous permettre d'assaisonner nos petits légumes. On va égoutter nos légumes, les sécher, et on revient. Et voilà. Alors, nos légumes ici sont rafraîchis, séchés, égouttés. Vous voyez, c'est une belle couleur. Hein, ça, on met dans un cul de poule ce dont on a besoin. Ici, j'ai ma courgette, vous voyez, qui a séché pareil, qui est bien cuite. Elle a gardé aussi sa belle couleur. Donc, notre petite sauce. Et puis, bah, allez, hein, on sauce à convenance. Ça donne quand même une belle couleur. Et on garnit. Alors, on pourrait la déguster froide, cette courgette farcie aux légumes, ou on pourrait la passer un petit peu au four, avec un four à 150 degrés, pendant 5 minutes, pas plus, parce que ça pourrait donner trop de cuisson et tout écrabouiller. Donc voilà une courgette farcie aux légumes. Allez, je vous fais quelques photos à vous.